pour mener pays. Donc là nous voyons que nèg yo préparé avec carte illégal ça pour nèg yo faire référendum. Un an il y base devant un conseil là, jodi a nous vinn célébrer, nous vinn camper devant carte pour nous dire la communauté internationale et nationale. Jodi a moun sa yo déjà illégal. Yo on la loi et mais nèg yo décide de débloquer 40 millions de dollars sous prétexte qu'il va faire élection. Nèg yo dit que des matériels sensibles qui est arrivé déjà. Nous même dans une base. Question n'a posé, n'a demandé qui est-ce qui t'a remporté appel d'offre ça. Donc nous, les nègres sont bannis légal, nègres ont fonctionné en dehors de la loi. La Cour des comptes dit nègres pas qu'à débloquer l'argent sur nos sous-côtes KFPA. Et mais nègres a pour moi un peu justifié ensemble de l'argent. C'est dans ce sens, nous même dans une base. Nous dit tout autant que possibilité, tout autant que la vie, nous même n'a campé là pour faire valoir revendication nous. Parce que peuple haïtien dit, ce n'est pas problème pour qu'ils soient gagnés. Peuple haïtien dit, ce n'est pas problème élection gagnée. Peuple haïtien dit, il y a problème de sécurité, il y a problème d'éducation. Nexia ou pas répondre à rien. Et mais nous-mêmes nous disons, pas direct, direct, mandat citoyen fini. Pas tout ce qui est par les nationales là. Ou entre nous sommes une nation. Débattement d'État, pas oublier que en diplomatie, pas des pays, ils ont mis pays. Chaque pays a fait ses intérêts. Je dis, c'est normal pour les États-Unis d'Amérique, à travers le département d'État, à demander pour une élection qui est collée, à demander pour une élection Champouel, parce que c'est l'élection Champouel en 2011 qui était par Matéli, qui fait Jodia Clinton des terres, des lois dans le pays. C'est l'élection Champouel en 2016 qui mène Jovenel Moïse Koupio là, qui fait bourgeois et riche, pour ne pas nous manger, qui fait moun riche, pour ne pas nous manger, pour ne pas nous moun bel air, nous ne pas ramasser partout en Haïti. Donc c'est normal pour nous faire, nous-mêmes, c'est à nous-mêmes pour nous responsabiliser. Et ça fait nous-mêmes, nous dit, nous ne pas quitter le pays. Nous pas marron et n'a pas la coupe valeur pour rester revendication nous 6h10. Nous prenons avec ancien député Abel Décolin qui était présent dans le cadre Sitinza, plus organisation politique qui n'est pas été organisée ailleurs. Même position pour ancien député Abel Décolin qui critiquait le conseil électoral là, il dit qu'il est illégal. Ancien député Abel Décolin critiquait le comportement autorité américaine qui a forcé l'organisation élection dans le pays dans un contexte difficile. Ancien parlementaire a posé des questions pour connaître que ces mêmes élections qui étaient faites dans Centrafrique là. Et États-Unis voulaient organiser dans le pays d'Haïti. Abel Décolin rappelait opposition Paris pour aller dans l'élection, mais ce n'est pas avec le président Jovenel Moïse. Un côté ancien député Abel Décolin qui était dans le micro Jean-Philippe Massé. Pour nous dire oui, nous voulons élection. Oui, nous voulons aller dans l'élection comme démocrate. Mais nous ne pas entendre aller dans l'élection avec un président qui n'a pas gagné un mandat constitutionnel, avec un président qui passait en dehors de la loi, en dehors de la constitution, pour le mettre sous place au conseil électoral qui n'est pas constitutionnel, qui n'est pas prêté seulement. Donc le message, journée aujourd'hui, à travers meeting ça, je nous dis, c'est un échantillon de citoyens qui représentait 99% de monde dans le pays qui était indifférent par rapport à projet référendum Jovenel Moïse. C'est un échantillon de citoyens qui représentait 99% de communauté, de population qui dit non avec élection piqué-collé. Monsieur Jovenel voulait organiser côté processus ça, l'IPANI inclusif, l'IPANI participatif. C'est monsieur Jovenel et quelques acolytes qui voulaient embarquer paysans dans une aventure. Mais tout, nous là, échantillon citoyen ça y est, dans le cadre de meeting populaire ça, devant siège conseil électoral là, c'est pour nous dire, avec la communauté internationale, tout au moins avec les acteurs les plus importants de la communauté internationale, qui aidaient à maintenir Jovenel Moïse, en dépit du fait qu'il n'a pas gagné mandat, pour nous dire avec la communauté internationale là, est-ce que ce élection, même Jean Saté fait en Centrafrique, dans le temps qui sont passé là, côté 90% moun pas participé. Nous voulons dire tout avec la communauté internationale là, que ce soit Nations Unies, que ce soit l'OEA, que ce soit l'Union Européenne, que ce soit l'ambassade des États-Unis, que ce soit le propre groupe. Gagne un leader en tête nationale qui t'a participé dans ce sitting sac ici, c'est sénateur Steven Benoît, tout, qui est même critiqué conseil électoral provisoire, les équipes à passer devant parlement, ni cassation cap engagé paysan. Steven Benoît, garanti pas gagné ni référendum, ni élection en paysan, c'est plutôt président Jovenel Moïse qui a fait tant passé. En écoutant, c'est sénateur Steven Benoît. Oh, oui,
parce que nous conseillons un qui est illégal, constitutionnel, qui besoin faire un référendum que peut-être la dit non, mais pas ici plus important. Monde qui manque c'est un peu ça, c'est le monde qui a toujours fait titre là. Je ne vais pas prêter ça devant le Parlement, donc je ne vais pas représentatif. Donc c'est le monde qui a gaspillé bien l'État, qui a engagé des millions de dollars au pays pauvre pour aller faire une activité et on est pas marché. Donc nous-mêmes, non, nous prenons très mal et nous-mêmes, nous vivons là, nous vivons cyniques, on ne peut pas faire ça. Donc même, comme ça a pensé à référendum, il y a une nouvelle version texte qui mettait en pouvoir pour qu'on voulait faire back. Pareil, ça va marcher. Tout le monde connaît, pas la va marcher. Tout le monde connaît tout ça. Pas de référendum, mais pas ici, très à l'issue par référendum. Donc même, c'est ce qui a passé, c'est aujourd'hui qu'on a acheté tant, qu'on a fait passer tant, pas de référendum. Voilà, zami auditeur, au tap côté intervention, c'est sénateur Steven Benoît qui t'a participé dans le cadre, mouvement, organisation politique unibasé organisé ailleurs, devant local, à conseil électoral, la provisoire. Mouvement militant pour changement d'Haïti, c'est un parti politique qui prend naissance ailleurs jeudi, hein. Dans l'occasion, sa responsable, ça prend position, pour organisation référendum, cap fête, qui t'a deux fêtes, 27 juin, cap vini là. Responsable, ça quoi, référendum, c'est un exercice démocratique, si la yo qui compte l'idée exprimée à travers vote. L'anton Jean-Baptiste critiquait comportement certains acteurs politiques qui, d'après et mouvement militant pour changement d'Haïti, a encouragé violence pour craser référendum. Non, en écoutant l'anton Jean-Baptiste, en amico Jean-Philippe Massé. Tout le monde a le droit pour appliquer ça qui fait plaisir. Ou a le droit ou a le devoir. En Haïti, c'est pour question des droits. De pour 10 personnes, Pavlon Bagay, il dit 200 000 personnes qui ne sont pas capables. Le référendum, tout le monde qui ne veut pas, a utilisé des voies civiques pour aller voter contre. Tout le monde qui veut, a utilisé des voies civiques pour aller voter pour lui. Si il y a 200 000 personnes qui votent pour lui, il a passé. Si il y a 100 000 personnes qui votent contre, 200 000 personnes qui votent pour lui, 200 000 personnes qui ont passé. Si il y a 600 000 personnes qui votent contre lui, il y a 1 million de personnes qui votent pour lui, l'a passé. Si il y a 1 million de personnes qui votent contre lui, 600 000 personnes votent pour lui, il n'a pas passé. C'est comme ça pour nous appliquer la démocratie. Ce n'est pas Jean Camarade là, ce deal là. Où vous voyez 10 nègres avec ZAP, à bloquer 200 000 personnes, 1 million de personnes, ou dit que ou pas vrai. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est une question de qui ça voulait ou appliquer, qui ça ne pas voulait ou pas appliquer, mais avec la sagesse. Imaginez-nous. Quand nous sommes nous, toutes les veilles, nous prenons le café. Pour nous descendre, mon canapé fait. Et pour nous aller laguer l'huile sous béton. Toute machine bloquée. Ou celle de monde qui laguer l'huile. Il est bloqué toute une population. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Il n'est pas démocratie. Nous, toutes qu'on soit, Dr. Tinet Delpe qui est venu avec, qui s'en encore sans nous? Conférence nationale. Pour Dr. Tinet Delpe, pas jouer une paternité. Nous traînons, nous venons avec toute bagaille. Dialogue national, toute bagaille. Jusqu'à ce qu'elle mourir arrive là, sans réaliser. Ce dernier, on apprend à travers discours. Et le président Jovenel Moïse, tu es comme dans le Parlement pour changer la Constitution. Nous, tous les journalistes, pas comme ça. Population, pas comme ça. Nous mangeons comme ça. Alors que, il y a un ancien député d'Héritadier qui vient avec un projet de changer la Constitution. Mais ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. C'est un bagage qui était là longtemps. Mais pour lui, il n'y a pas de faire. Jovenel Moïse voulait faire. Depuis qu'on a ce route-là. En nous quittant le référendum, en fait, nous votons contre lui. Nous votons pour lui. Ça voter plus pour lui, il a passé. Ça voter, vous comprenez ça, Bledou? Moins pour lui, il n'a pas passé. Ça voter plus pour lui, pour le pas passer, il n'a pas passé. Eh bien, c'est comme ça que vous le faites. C'est ça que la démocratie. La démocratie, ce n'est pas détruire ce qu'on l'a fait. Alors que, vous n'avez pas avec aucune idée pour. Vous comprenez ça, Bledou? Pour contrecarrer ça, c'est avec roche, manchette, zamne, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça la démocratie. 6h15. N'avancez avec information, la secteur démocratique et populaire a été profité de récession, un tableau vraiment très sombre, catastrophique même pendant 10 années, régime PHTK passé dans le pays, 10 années grand goût, misère, insécurité, d'après M. André Michel qui rappelait PHTK pas construit aucune école ni l'hôpital en d'un pays, PHTK plutôt crasé production nationale puis a importé toutes brigandailles pour grand aigle qui n'est
équipe Yokavine plus riche. En côté, maître André Michel, pour une dernière fois. Depuis mai 2011, communauté internationale a mis TPH qui a son pouvoir. Sorti mai 2011, pour arriver mai 2021, PHTK sous pouvoir, c'est blanc qui mettait, c'est pas peuple là qui mettait. Pendant 10 ans, PHTK a crasé PIA. PHTK a crasé tout ça qui existait. Il a crasé la police, il a crasé la justice, il a crasé le parlement, il a crasé la collectivité territoriale. Il a mis gang dans tout le pays, il a kidnappé les gens, tué les gens, violé les gens. Il a augmenté la misère peuple là. Le peuple n'a pas qu'à manger dans le quartier populaire. Il n'a pas qu'à manger dans la section communale. Il n'y a pas de monde qui a payé l'école pour petit. PHTK n'a pas construit une école dans le pays. Après 10 ans de fait, il a gaboté l'argent de l'État. C'est corruption sur toute la ligne. PHTK n'a pas construit un hôpital dans le pays. PHTK n'a pas construit une latrine dans le pays. PHTK a crasé la production nationale là. Nous importer plus du riz, nous importer plus farine, nous importer tout ça à manger, nous importer hot dog, nous importer poule. Le PHTK a détruit le pays en 10 ans de pouvoir. Ce sont des destructeurs de pays, ce sont des destructeurs de nations. Aujourd'hui, le bilan de cette équipe qui est au pouvoir depuis 10 ans, c'est une... Alors, avec Caleb. Sur initiative avocat prisonnier politique, plusieurs dizaines de militants plantés piquetés devant la cour d'appel Port-au-Prince, en l'idée pour demander juge en cour d'appel, ils prennent disposition pour permettre de faire un jugement pour prisonniers politiques, une manière pour capable de jouer une libération, un avocat prisonnier politique, maître Caleb Jean-Baptiste, exige juge pour prendre responsabilité. On a quatre dossiers ici là. En côté, maître Caleb Jean-Baptiste, dans le micro, Alix Gauthier. Nous venons pour demander à Claude Jean, pour lui respecter article 323, code de structure. Là, nous venons pour demander à Claude Jean pour respecter l'article 21 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal qui dit clairement que l'IPAG est droit, pas mettre dossier en état, même s'il a fait pouvoir en cassation. Parce que vous avez des décisions qui ont demandé pour mettre dossier en état parce que sont avant du droit préparatoire. Son arrêt qui préparatif lié. Eh bien, nous venons là aujourd'hui pour demander à Claude Jean mettre dossier en état. Nous venons aujourd'hui pour dire Claude Jean. Afin de refuser de mettre dossier en état pour nous venir PDA, ça va passer. Parce que bagayo, pas fait tout ça. Nous ne pouvons pas accepter pour que le job viole les droits de la prison. Nous ne pouvons pas accepter pour que le job viole les droits de prison et petit gars, il faut le job babas. C'est raison ça, je veux dire, nous venons. Et nous venons tout pour vous demander avec le représentant CSPJ qui l'a, pour parler avec Maïs Abel Ancienville, pour lui exiger, pour lui ordonner pour parler avec elle, pour lui faire ça. La loi dit qu'il y a 4 dossiers Abel Songonek là, pour qu'à libérer Abel Songonek avec. Voilà la déclaration maître Caleb Jean-Baptiste qui est même c'est coordonnateur général la bloc avocat cap défendre prisonniers politiques et cap défendre droit mounio pendant cette initiative les organisations proches opposition ont répondu présent parmi eux nouvelles vives force Delma côté coordonnatrice force Delma qui s'est Magali Lacroix fait qu'on est prochaine étape y a pour franchi sous le César c'est organisé une série sitting devant caille responsable d'un coup d'appel devant travail madame Mio devant l'école Petitio il y a une membre organisation ça qui c'est Magali Lacroix, j'en dédie là, encourager tout militant pour poter coller à Kyo dans prochaine étape si là. En côté Magali Lacroix, un ami co-collaborateur, nous, Alix Gauthier. Parce que nous-mêmes, nous privé nous un moment, c'est défense que nous allons faire. Parce que Kaye et Claude Jean, et là, canapé Vélier, nous allons la Kaye, nous allons devant le travail, madame, nous allons devant l'école petite, pour nous montrer que nous-mêmes, nous allons grider avec eux, même si ils commencé à tuer nous, même si ils commencé à kidnapper nous, ils ont kidnappé dossier prisonniers politiques, ils n'ont pas voulu laguer prisonniers politiques, nous-mêmes, nous avions l'autre alternative, parce que l'autre semaine, c'est canapé vers nous aller, devant Claude Jean nous aller, et là nous finalons, nous ne pouvons pas qui ça
et nous pas quitter Anel, Zibabas, Kilik, Job, Matt Kelly, nous pas quitter au mouin en prison, Abelson Gonet, Koutoua, nous pas quitter Moussa au mouin en prison, parce que yon madame, yon petite, parce que madame yon kounye là, parce que femme kounye pas qu'à fond et non paye, parce que vous pas qu'à marcher non paye, tout paye, c'est gang, côté yon pas le marché pour chercher l'argent pour yon petit manger, et que nous même, minute, nous prenons ces noms, pour nous dire Moussa yon, fuck yon décide yon paye, parce que c'est gang yon, c'est kidnappé yon. Dossier ancien porte-parole SPNH 17 la Belson Gonègue a plaidé jeudi vendredi 21 mai dans tribunal première instance Port-au-Prince d'après PDG cabinet advocatus l'Orpheum nan maître Arnel Rémy homme de loi précisé dossier ça pas devant cour cassation Jean-Pierre avocat v'le fait quoi là mais plutôt devant tribunal première instance d'après procédure habeas corpus là maître Rémy dit c'est corvé avocat ça a fait li en même temps fait connait dossier Arnel Belizel tout par un coup d'appel après audience qui t'est déroulée sur dossier ça la fois passée à un côté maître Arnel Rémy qui t'est nommé que Josué Belamour. Habeas corpus dans son procédé que monsieur anglais ou mettez là c'est parce que baron you ou agent santé et qu'on a arrêté monde de manière arbitraire. Il dit que si a peut d'arrêter monde de manière arbitraire bon mettre un procédé là pour le arrêter pour passer devant monde. C'est là habeas corpus a commencé. D'ailleurs, Maxime Latine dit, habeas corpus ad sur hisiendum et recipiendum. Que tu es ton corps pour le produire par devant le tribunal. Eh bien, Abelson Gonègue arrêté, il a violé l'article 26.1, on t'a dit, depuis arrêté, dans 48 heures qui suivent l'arrestation pour passer devant le juge, femme habeas là, le doyen, c'est le juge né de l'habeas corpus. Premier côté pour faire, c'est devant le doyen. Si moi-même, dans le même la loi dit, ça me fait, je saisis le doyen, et pour l'instant, le dossier sera plaidé demain 21 mai par devant le doyen parce que doyen est désigné juge Gary Aurélien pour venir représenter parquet. Il n'y a pas nécessité d'aller à la cour d'appel et j'ai porté un démenti formel pour donner un coup d'appel, mon ami. C'est si doyen rend ordonnance. Si doyen rend ordonnance, parquet pas d'accord, parquet dit qu'il n'y a pas d'accord exécuté, bon faire appel. Là, on peut comprendre que le sitting aurait son époque. Corvée, il faut de la corvée. Le dossier d'Abelson Gonègue n'est pas à la cour d'appel. Le dossier des prisonniers politiques Arnel Belizère et Co n'est pas à la cour d'appel également. Dernier plaidoirie fait dernièrement là, le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel a exercé un pouvoir en cassation. Dossier côté demandé pour le commissaire du gouvernement mettre le dossier en état pour reciter Mounio correctement. Donc sous avant dire droit ça que cour d'appel a terminé, il a exercé un pouvoir en cassation. Donc le dossier n'est plus à la cour d'appel. Dossier Abelson Gonègue, l'un lit devant tribunal première instance de Port-au-Prince en ses attributions extraordinaires d'habeas corpus. Parce que commissaire pas de jambes blédé. Donc si commissaire pas de jambes blédé, la loi dit ça pour faire, qui s'allie. Responsable collectif avocat cap défendu à Mouniomet, Arnel Rémy, l'autre côté exige libération. 26 jeunes ont été arrêtés. Kafou Zak Baditis AK, association malfectée reproché jeunes Sayo. N'a pas rappelé une chose actuelle pour parole PNH qui c'est. Marie-Michel Verrier était parlé de 25 cap résumé et kidnappé jeunes Sayo été arrêté dans la localité Chavez en commune Kafou. Côté d'après sa parole là, t'es dit que jeunes Sayo, ben Moun Sayo présumé Sayo et utilisé zone Chavez pour capable passer avec moun yo fin kidnappé yo. Mais n'a font ti rappel tout la fois passé par un moun sa ote nan palais justice bicentenaire là. Côté hôtel exige avec libération proche choqué. La justice haïtienne reproché dit moun sa ou c'est des moun qui t'a impliqué nan zaka kidnapping. Homme de loi pour parler bien mettre Arnel Rémy fait qu'on est là paquet Port-au-Prince t'y étendé dossier ça. Avocat cap défendre moun yo prouvé 26 jeunes sa ou pas commettre infraction yo reproché yo. Malgré sa ou toujours en détention préventive en prolongé. Mettre Arnel Rémy dénoncé comportement arbitraire autorité judiciaire sur le dossier là un côté maître Arnel Rémy pour une deuxième fois dans micro collaborateur non José Belamour et arrestation 26 dit monsieur qui fait Carrefour Bisoton sous prétexte des soi-disant kidnappeurs des prismes kidnappeurs. Le dossier a été entendu au niveau du parquet de Port-au-Prince. Infraction que impute à monsieur c'est des infractions d'actes de banditisme et d'association de malfaiteurs. Maintenant, nous-mêmes comme avocats qui défendent monsieur Saoti, monsieur, le dossier a tapé dans le niveau parquet, on a fait en sorte de démonter les infractions qui sont imputées à ces messieurs. Acte de banditisme. L'acte de banditisme est une infraction qui n'existe pas dans le code pénal. Il n'y a pas une infraction qui s'appelle acte de banditisme. Et pour parler de questions d'association de malfaiteurs, le législateur est clair. Il faut une association, il faut un regroupement, il faut un chef, un sous-chef, une bande et un objectif.
Le commissaire gouvernement Québec t'a demandé, monsieur, est-ce qu'on connaît tel, est-ce qu'on est une par une l'autre? Bon, vous n'avez pas arrêté pour de la guerre match Paris Saint-Germain. Ligue des Champions Paris Saint-Germain. De la carte de point. Maintenant, le moi-même, comme avocat avec tout avocat qui l'a plaidé, nous dit, Maïska, il n'y a pas lieu de garder à vue, c'est monsieur, plaisir à vous de la libérer. Moi, ça répond, moi, ah, mais je vais consulter chef, moi. Et jusqu'à présent, pas la voilà. Puisque les infractions ne tiennent pas, monsieur, toujours en détention arbitraire illégale. Sous prétexte que le chef n'a pas encore décidé. Chef là, beaucoup. L'autre dossier dans le cadre du journal, ça nous fait référence avec un dossier santé, Action internationale droit monde dressé un tableau noir coulant sous situation l'hôpital général. Il dit qu'il est très critique. D'après coordonnateur général à IDH, la Atus Régional, MSPP, pas fait aucun effort pour améliorer conditions maladio. Côté au parc insécurité, au parc à joindre mousseau la soignaille. Atus Régional encourage l'administration Moïse Claude là pour faire effort pour finir à la construction l'hôpital général là, un côté Atus Régional pour plus de détails dans Alix Gauthier. Action internationale Douamoun AIDH constaté l'hôpital général pas une capacité pour bail service, il était qu'on bail dans temps passé encore. L'hôpital général confronté à des graves problèmes tant qu'au manque de personnel qualifié et matériel comme des bonbonnes d'oxygène, ça crée une situation très critique. Deuxièmement, enceinte l'hôpital là pas sécurisé. Ça permet à individu pour entrer dans l'hôpital là. Jean Rovlé exerce forfait contre patients et personnel l'hôpital là. Troisièmement, et fonctionnement plus grand centre hospitalier PIA handicapé par grave pénurie d'électricité. Donc l'hôpital général pas qu'à fonctionner, génératrice li pas gain carburant. Ça empêche population à jouer un service comme ça doit. Dans un autre registre, n'a signalé conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les patients de l'hôpital général. Conditions sérieuses caractérisées par absence de soins de santé appropriés, manque de matelas, manque d'installation hygiénique, manque d'eau, toilettes, pour ne citer ça seulement. Action internationale droit moun AIDH déplore passivité administration Jovenel Moïse là en général et responsable ministère santé publique en particulier qui n'a pas fait aucun effort pour acheminer reconstruction l'hôpital général qui commençait depuis en 2015 qui a dû terminer depuis en 2017. Une reconstruction qui est financée par les États-Unis d'Amérique et la France. Chaque pays a eu 25 millions de dollars. L'action internationale droit monde AIDH, rappelée administration Jovenel Moïse là, droit à la santé, les constitue un droit fondamental. Les consacré par Constitution haïtienne 1987, là, l'article 19. La déclaration universelle droit monde, non, article 25, les protéger. Droit à la santé. Nous gagnons article 10 protocole additionnel convention américaine relative au droit de l'homme, non, qui parlait de droit à la santé tout. Nous gagnons un pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, PIDES, dans article 12 là. Toute convention nationale et internationale ça fait l'état obligation pour bail chaque grain citoyenne et citoyen morceau national. Compte tenu de tout ça nous tout dit là, action internationale droit monde condamné avec véhémence état de gradation actuelle situation l'hôpital général. Action internationale droit monde AIDH a invité administration Jovenel Moïse là terminer en urgence reconstruction l'hôpital général Port-au-Prince pour grand centre hospitalier ça capable de reprendre fonctionnement normalement. Deuxièmement, humaniser conditions malades, malades qui dans l'hôpital là, pendant à respecter normes internationales en matière de santé. Et voilà, ça c'est Régina Latus qui est même c'est responsable action internationale Douamoun qui descend table sur cette situation. L'hôpital Université d'État d'Haïti que tout le monde connaît sous nom l'hôpital général depuis après 12 janvier qui en construction mais qui pas jamais fini et là n'a regardé maquette j'ai été présenté l'hôpital Saint-Charles Bellet construisant jusqu'à présent rien pour fini ça qui passe côté l'agence ça l'agent est débloqué ça qui fait côté l'agence ça y est sincèrement ma question à plus mon a posé il y a regardé tout état critique
mais l'hôpital général ça qui surtout service qui dans zone côté première fois dans le premier local là et qui pas trop exactement mais qui pas trop différent tout dans un bon et dans cet honoria dans ce local que le local militaire comme ça l'hôpital militaire exactement mais au senti que bon négocier c'est plus confortable comme ça parce que autorité yo juste pas voulait faire rien pour permettre que l'hôpital général côté que qui là qui gagne tout service tout service que d'adou junior mais ouais c'est un petit bail tête chargé Jean a fonctionné Jean l'hôpital général lui-même a fonctionné dernier temps ça mais qui normalement responsable t'a trop dit qui s'est passé avec l'agent ça et sorti sous ancien président Martelly tombé sous Joseph Rivert tombé là sous Jovenel Moïse en plus on a tant d'explications sur l'agent pour capable finir avec l'hôpital général. Dernière information pour nous finir dans le journal Mega Matin pour matin là. Alors, information nous dit bien. Concernant Zaki kidnappings qui a poussé dans le pays. C'est vrai, si monsieur Bicentenaire là pour nous dire bien monsieur Villagio n'est grave ni mandé de font camper, eh bien question kidnapping là de l'autre côté la frappé dans le pays. Gain ingénieur Dave Augustin qui bandit kidnappé hier la Kailil était environ midi en dans la cour la Kailil dans zone Cara 2. Ingénieur Dave Augustin, il est propriétaire d'une entreprise qui est l'échec Ego, qui est bandit kidnappé il y a jeudi 20 mai, côté ensemble de nègres arrivés identifiés, armés jouk dans dedans. Yo, selon sa proche, et Dave Augustin, ingénieur, fait qu'on est que yo débarqué dans la cour la caillou. Après, Dave tigre les sautes dans la rue, sautes quelques activités, il y a entré, nègres entrent dans la cour même, dans la cour côté de VTA, dans le quartier qui est les bois d'homme dans Cara 2. Nègres entrent dans la cour, yo frappé Dave, yo bastonné le mas Minelli, et puis après, ça yo allé ensemble avec lui selon témoin yon proche li qui expliqué et bandit ça yo à la fois bat Dave yo bat quelque mon enfant mien mais elle essaie de deviner en soi yo prend li ensemble avec lui pour qu'on a qui côté dévié qui ça est cap passé est-ce qu'il est en santé parce que la ville encore toujours là c'est question plus mon a demandé famille tout les mêmes avec j'ai libération les mêmes font dire ravisseur qui mandé yon million dollars pour capable libérer et ingénieur Dave Augustin yon million dollars yon mandé pour capable libérer Dave Augustin bon il y a l'autre information sur question kidnapping capable dans le pays mais ça c'est yon proche et Dave Augustin qui lui-même qui est